la biomasse à la provençale. Prenez une belle biomasse de Provence, ni trop solide, ni trop liquide, juste onctueuse à point. À l'aide d'un chinois de bonne taille, éliminez la partie aqueuse jusqu'à obtenir une pâte épaisse et homogène d'une belle couleur chocolat. En jargon de cuisine, on appelle ça une boue. Chassez les mouches s'il y en a. Pétrissez votre boue afin de lui donner la forme que vous voulez. Des bâtonnets par exemple. Prenez un bidon d'huile usagée, un bac à graisse de restauration ou de laiterie ou n'importe quel ingrédient bien graisseux et faites chauffer à feu vif jusqu'à 140 degrés. Jetez vos bâtonnets dans l'huile bouillante, laissez frire entre 10 et 15 minutes. Et voilà, vous avez obtenu une biomasse parfaitement inodore, toute sèche, craquante et pas trop grasse, sans avoir rejeté un soupçon de carbone dans l'atmosphère. Laissez refroidir et servez. Inutile d'assaisonner ou d'ajouter un autre ingrédient. Votre biomasse se consomme nature. Précisons que si la biomasse provençale se compare parfois à la frite belge ou au churros espagnol par son mode de cuisson, sa consommation ne fait absolument pas grossir. Elle est un parfait éco-combustible et remplace avantageusement votre bûchette habituelle. On peut donc la consommer sans modération. Cliff System. Clean Energy for the Future.